12 gouttes 24 centimes qui sortit dans le trésor public là. L'ULCC révélé l'agent ça madame non a touché à bon caractère purement fictif. Fictif dans le sens même dans la vallée son l'argent qui a fait nos démarches zombies. Donc c'est pour un contrat qui campe sous rien. Nous parlons pour qui ça ULCC dit ça. Pour qui ULCC son technique, son stratagème pour détourner l'argent l'État, pour détourner l'argent public à des fins privées. ULCC souligné, Pierre-Winel Winé, guerrier du seul. Dans le moment, maman, ancien sénateur Yuri, la tortue, signe un premier contrat en 2017, maman te gagne 81 ans. ULCC allait plus loin, mes chers amis, pour le dire. Maman, ancien sénateur Yuri Latortu, sont infirmières retraitées. L'IPAGEN compétences professionnelles requises à ressources physiques pour le remplir tâches. Yobali, comme pour fonction ça. Et tâche ça, l'inarticle 3, dans les 4 contrats qui signent pendant la même période de parler là. Ça veut dire tâche de coordonnatrice ou bien fonction de coordonnatrice de bureau du sénateur Yuri Latortu. ULCC qui a parlé, c'est pas moi. Salaire, Madame Cantave, les deux fois supérieur à salaire yon sénateur de la République. Selon ULCC, Madame Nant a touché 350 000 goudes chaque mois. Alors que yon sénateur de la République, toujours d'après ça qui est écrit dans le document ULCC, c'est 121 000 goudes. Donc, différence là, 228 800 goudes. Et là, c'est dit, dans le dossier Sénat République là, vous avez bali, concernant le contrat, ça y est. Les joignes, ils ont seul certificat de déclaration définitive d'impôt pour exercice fiscal 2018-2019. Et là, dit, madame, monsieur, les saisis, ouais. Dans le document ça, madame là, pas déclaré montant la touche. Ni sa ou il est redevance fiscale. Or, n'a pas noté, d'après l'ULCC, déclaration définitive d'impôt, li son document essentiel pour yon particulier sien ou bien soumettre, si vous voulez, sien, si vous voulez, un contrat avec une institution publique. ULCC dit, Pierre-Renel Ouéné, Lydie Alexandre, qui a suivi de l'OM Vito, guerrier du seul. Premier contrat qui signe en 2017, là, dans le moment où il signe, sénateur Yuri Latortu est président Sénat. Pour ULCC, sénateur a été doué à Angélie pour lui sauvegarder intérêt institution et puis assurer que tout contrat qui a signé avec l'institution est fait selon les normes. Malheureusement, selon ULCC, sénateur a failli à obligation ça, à mission ça, l'élève maman biologique bénéficier au contrat juste dans l'intérêt. ULCC a rappelé les questeurs ou bien questeurs les signer contrat, faut contrat ça pour le valider, approuver par le président du Sénat. Maintenant, le sénateur Yuri Latortu, selon ULCC, décide d'approuver contrairement, il prend directement intérêt dans l'opération Sahara et il tombe du coup en bas section, loi 12 mars 2014, là, notamment en son article 5.13 qui parle de prévention à répression corruption. Et là, c'est à défiler Pierre-Renel Ouéné. À partir de endossement chèque, la commission a constaté, amis auditeurs, il y a 8 dans 9 chèques qui déposaient sous compte personnel ancien sénateur Yuri Latortu. Compte personnel ancien sénateur Yuri Latortu, amis auditeurs, Lina Sojibak, c'est 40. 640-615-37.
Son 9e chèque, selon ULCC, qui est déposé sous compte National Security SA, toujours dans son GBank 90-600-1144. ULCC, amis auditeurs, rappelé. Ancien sénateur Yuri La Tortue, lycée actionnaire, lycée principal, yon nan principal actionnaire nan National Security SA. National Security SA, n'a pas rappelé, c'est une compagnie de sécurité que en pile monde généralement attribué à ancien sénateur Yuri La Tortue. ULCC, notre travail lié, continuez pour le dire ça. Les dit, tout temps d'autant de contrats signés, tout temps d'autant de madame n'a pas recevoir chèque, tout ça, c'est pour sénateur Yuri La Tortue qui a fait l'argent en son nom propre. Et pour ULCC, ça n'a pas de l'autre nom que détournement de fonds. Son ZAC que disposition article 5.4 dans la loi 12 mars 2014 là qui vient pour avec prévention et puis répression corruption prévoit et puis punit. Selon le document ULCC a toujours amis auditeurs. Commission enquête ULCC a constaté à partir liste chèque qui émet dans nom madame Cantave avec pour motif perdième, l'État haïtien te prend en charge 4 voyages pour madame nan aller dans le pays l'autre bord de l'eau. Madame Cantave te allé Floride, c'est l'État qui paye voyage là. Madame Cantave te allé Canada, c'est l'État qui paye voyage là. Madame Cantave te allé Vietnam, et puis en France, c'est l'État qui paye voyage là. ULCC allé plus loin pour le dire. Il y a 7 autres déplacement qui fait à travers différentes villes dans le pays. Et c'est madame Cantave, selon information Givelle, même si son stratagème selon ULCC, et c'est l'État qui paye l'argent. ULCC dit montant total chèque ça qui est maintenant l'année 2017, pendant la période sénateur La Tortue, il est arrivé jusqu'à 66 700 gouttes et 50 centimes. Or, d'après ULCC, suivant information, direction immigration et émigration lui-même, l'ivou et bail ULCC, après ULCC défini, créé institution hein, le 9 mai 2014, et institution en répond ULCC le 29 mai 2021. Non. Gonti, précision de côté là. Le 29 mai 2021, direction immigration et émigration non lettre responsive, li voye ba ULCC, li di, bagay 4 voyages à l'étranger, ça n'a pas allé là pendant période sénateur. Madame n'a voyagé, dernier voyage, li c'était le 9 mai 2014. Ba on si nous comprenons, non? Donc voyage fait 4 voyages ça aussi. 4 voyages à l'étranger, Floride, Canada, Vietnam, la France. Dans quelle année? C'est pendant période sénateur Yuri La Tortue, ministre national, là nous sommes en 2017. OK. Alors que direction immigration et immigration dit dernier voyage madame n'a fait à l'étranger, lui remonté au 9 mai 2014. Mm-hmm. C'est ULCC qui a parlé. Là encore, d'après ULCC, c'est un stratagème que l'ancien sénateur La Tortue a employé alors que le président Sénat pour le détourner les maigres ressources du pays. ULCC signalé, guerrier du seul, M. Joseph Lambert, qui était président Sénat après, t'a fait tout ça le capable pour l'entraver aboutissement enquête qui vient pour un dossier madame Immaculée Cantave.
les refuser communiquer par commission enquête là tout document administratif yo te sollicité concernant lien contractuel qui t'a existé entre madame Cantave avec Sénat République là. ULCC souligné c'est des faits au Nigilo secrétaire général Sénat que ULCC t'a écrit non premier temps et qui te répond ULCC non l'autre correspondance dans date 24 mars 2021 que c'est pas lui-même pour écrit c'est plutôt monsieur Joseph Lambert pour capable jeune document ça yo. Et après réponse ça ULCC t'a écrit monsieur Lambert le 29 mars 2021 pour demander document yo sénateur a pas jamais bail suite à demande ULCC a. Et malgré une mise en demeure qui était adjointe sénateur en date du 7 avril 2021. De ce fait, jusqu'à ce que le mandat sénateur Lambert fini, sénateur Lambert n'a pas jamais fourni document, ni pas jamais bail information que ULCC était mandé dans le cadre d'enquête ça. ULCC souligné, les sénateurs ont décidé d'agir comme ça, alors que c'est lui-même qui président Sénat République là, lui commet un acte entrave au bon fonctionnement la justice suivant ça qui est écrit dans article 21 alinéa et c'est loi 12 mars 2014 là qui est pour acte prévention et puis répression corruption. Sous base tout ça nous dit ou là amis auditeurs. ULCC recommandé sous plan administratif pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, elle fait un audit global de l'administration Sénat pendant M. Youri Latortu a dirigé Sénat. Et sur le plan pénal, ULCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre ancien sénateur Youri Latortu pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. C'est des infractions qui prévoient dans l'article 5.4 et 5.13 loi 12 mars 2014 là et loi ça punit le tout. Loi ça répond à la prévention et répression corruption. Vous pouvez écouter la, la Cour des comptes parce que le contrat ça est fort. Il faut la Cour des comptes approuver. Recommandation ULCC faire à la Cour des comptes pour aller mener en enquête.